Ma personne, aujourd'hui, on va écouter un message très puissant de Oussama Ammar. C'est un entrepreneur exceptionnel que je ne présenterai pas aujourd'hui. Si tu es en business et tu ne connais pas Oussama Ammar, bref, fais tes propres recherches. Mais je t'invite à écouter attentivement son message qui dure à peine 59 secondes. On écoute. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. La première fois que je voyageais en première classe de ma vie, je me suis dit c'est intéressant de savoir qui est autour de moi et qui a payé son billet, tu vois. Et je me tourne comme ça, je dis à un mec, alors vous faites quoi dans la vie? Et le mec il me dit, je suis boulanger. Je ne l'attendais pas celle-là. Il fait ouais, j'ai 6000 boulangeries ou 8000 boulangeries en Asie. Je dis, c'est quoi cette histoire? À 16 ans, il se met à travailler. Et comme il n'est pas con et qu'il avait un bon environnement familial, il a fait en autodidacte des formations de chimiste, il a travaillé avec son père, il a fait une machine à pain qui a cartonné, il a ouvert des boulangeries. Et c'est un mec qui gagne sa vie 100 fois mieux que toi et moi réunis. Tu ne me dirais jamais à personne qui veut devenir multimillionnaire ou milliardaire, ouvre une boulangerie. Voilà, le message il est clair et dure 40 secondes. Pourtant, c'est un message super puissant. Je vais t'aider à voir quelque chose que peut-être tu n'as pas vu. Mais avant de poursuivre, je pense qu'il est très important que je commence par présenter qui est cet illustre personnage avec sa barbe et tout. Ce monsieur, c'est Oussama Ammar, un brillant entrepreneur d'origine libanaise qui, je pense, il est né au Congo. Et il a dû quitter le Congo à raison de la guerre et tout le bazar, voilà. Et puis, à ce jour, il a aidé plusieurs boîtes à se lancer qui ont une valeur aujourd'hui de plus d'un milliard d'euros. Bref, c'est un monument vivant, quoi. Si tu veux en savoir plus, tape Oussama Ammar sur Internet et tu auras tout ce qu'il faut. Bref, maintenant que tout ceci est dit, j'aimerais préciser quelque chose. C'est que je vais faire une analyse en 4 points de ce petit partage afin qu'on puisse grandir ensemble et t'aider à voir quelque chose que tu n'as peut-être pas vu. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose. C'est que la billetterie pour la deuxième édition du week-end de l'écrivain est désormais ouvert, le seul événement qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains. Donc si jamais en toi il te brûle le désir d'écrire pour impacter, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le bouton qui s'affiche juste là au-dessus de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cette petite anecdote dure 40 secondes, pourtant c'est une anecdote très riche. Je vais t'expliquer pourquoi. La première leçon que j'aimerais que tu vois au travers de cette petite anecdote, c'est que il faut être là où les choses se passent. Je répète, il faut être là où les choses se passent. D'entrée de jeu, dans cette vidéo, il explique que la première fois de sa vie où il a pris un vol en première classe, le mot-clé ici, c'est première classe. Pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui n'ont pas encore pris l'avion, j'aime à dire que dans l'avion, il y a plusieurs, dans certains avions, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau business class, c'est un peu la masse. Après, tu as la classe éco, voilà. Non, il y a la classe éco, c'est un peu la masse, je me trompe. Le business class et après, tu as la première classe, c'est le dernier niveau. Là-bas, ce sont les gens qui ont vraiment les moyens. Déjà, quand tu entres dans l'avion, tu comprends qu'il y a niveau et niveau, voilà. Et donc, lui, il a pris l'avion en première classe. Et tu te doutes bien que si des personnes comme Samuel Eto'o, Aliko Dangote, Tony Elimoulou doivent prendre l'avion, tu te doutes bien qu'ils vont pas aller en classe éco. Ils vont forcément aller en première classe parce qu'ils veulent pas être mélangés à la populace. Et si toi, tu veux te donner une chance de rencontrer ce type de profil, il faut absolument que tu sois là où il se trouve. Et il se trouve où? En première classe dans un avion. Donc, il faut payer la première classe. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Parce que j'ai dit ça pour tous les petits malins qui se disent qu'ils vont devenir riches sans rencontrer les riches. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour devenir riche, tu dois savoir les mêmes choses que les riches savent. Et pour savoir les mêmes choses que les riches savent, tu dois aller à leur rencontre. Tu dois interagir avec eux. Et pour interagir avec eux, il faut être là où ils se trouvent. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, Oussama Ammar, déjà, pour rencontrer ce monsieur, il a fallu qu'il paye sa place en première classe. Et je te doute bien de tout ce qu'ils peuvent se dire pendant un vol qui dure peut-être 4 à 5 heures. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Dans un vol qui dure 4 à 5 heures, en première classe, avec un certain type de personne, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Malheureusement,
on va dire aux gens, venez à des événements business, ils ne viennent pas. Venez à des conférences, ils ne viennent pas. Lisez même les livres des gens qui ont déjà accompli des choses exceptionnelles, ils ne le font pas. Mais ils veulent avoir des résultats exceptionnels, ça ne marche pas. Moi, un jour, j'ai discuté avec un monsieur et il m'a dit, Valet, si tu veux que je te coach, tu vas payer 1 400 €. Quand il m'a dit ça, j'ai cru que tout de suite, tout ce qu'il racontait n'avait plus de sens pour moi. Mais au bout d'un moment, quand tu te dis que tu as des objectifs, ben, tu payes. J'ai payé et tout de suite après, j'ai su que je venais de faire là l'un des plus beaux investissements de toute ma vie. Parce que ce que ce gars m'a appris, il y a longtemps que j'ai rentabilisé. Fois 10, fois 20 même, je crois. Et c'est quelque chose que je vais garder à vie. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que la connaissance, c'est quelque chose qu'une fois que tu l'as à vie en fait. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque tu payes un livre tel que celui de Kejakasi, Développer votre pensée créatrice, une fois que tu as la connaissance qui est là-dedans, tu as peut-être payé 19,99 €, mais cette connaissance-là, tu peux t'en servir à vie et tes générations à venir pourront en bénéficier. C'est parce que tu captes un peu. Si aujourd'hui, je mange un biscuit, le biscuit, ça finit. Si aujourd'hui, je m'achète un téléphone, une fois que ça se gâte, c'est terminé. Mais par contre, dès lors que je prends le temps de lire un livre comme celui-ci, dès que j'ai la connaissance, cette connaissance, je l'ai à vie. Et c'est une connaissance qui me sert à vie. C'est parce que tu captes un peu. Lorsque tu rencontres un certain type de personne, il va te donner une information qui va te servir à vie. Mais ça, il y a des cerveaux constipés qui ne comprennent pas. Quand il dit, il y a un événement business, tu vas payer peut-être 149 €. Il dit que c'est cher. Donc, tu n'es pas prêt à investir 149 € en toi-même. Tu n'es pas prêt à investir 15 000 francs en toi-même. Tu n'es pas prêt à investir 90 000 francs en toi-même. Mais c'est toi qui veux gagner des milliards. Ça ne marche pas, mon cher ami. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que lorsque tu payes très moins cher, la charge émotionnelle n'est pas assez forte pour que tu puisses faire tout ce qu'il faut pour rentabiliser. Je t'explique. Lorsque je paye ces plus de 1 400 € avec ce coach, en soi, il m'apprend quelques techniques que je savais déjà. Mais le fait d'avoir payé cher, entre guillemets, je me suis dit, je vais exploiter cette technique-là à fond pour rentabiliser mon investissement. Et donc, au début, c'était très difficile, mais je me suis dit, gars, j'ai mis mon argent, il faut que je récupère. Donc, c'était difficile, mais je continuais à hustle jusqu'à ce que j'ai récupéré mon argent. Et jusqu'à présent, je continue à gagner de l'argent grâce à cette technique-là. Je ne sais pas si tu captes un peu. Les gens ne s'en rendent pas compte que lorsque quelqu'un écrit un livre, lorsque quelqu'un donne une conférence, c'est l'expérience de plusieurs années de vie qui vient et te livre en 2 heures dans un livre qui fait à peine 100 pages ou 200 pages. Et les cerveaux constipés vont te dire, c'est cher. Ils n'ont pas compris. Oussama Amar était là où il fallait qu'il soit. Il était là où les choses se passent. C'est la première leçon que tu dois retenir dans les affaires. Et si tu veux rencontrer les bonnes personnes, il faut être là où les choses se passent. Deuxième leçon que peut-être tu n'as pas vue en écoutant cette petite vidéo, c'est le fait que pour devenir riche, jeune, il faut démarrer jeune. Il le dit, le monsieur a plus de 6000 boulangeries en Asie, mais il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Il a commencé, ou du moins il s'est lancé en business à l'âge de 16 ans. Ce qui fait qu'à l'âge de 16 ans, il se lance, lorsqu'il a 26 ans, il a plus de 10 ans d'expérience dans les affaires. Plus de 10 ans d'expérience dans les affaires. Pendant ce temps, tu vas voir un tocard qui a passé plus de 24 ans à étudier la géographie qui ne lui servira à rien. Et après, quand il se lance à l'âge de 27 ans, il va avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui a commencé à 16 ans. Ce n'est pas possible. Même Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Même l'univers ne peut pas être d'accord avec ça. Donc, le meilleur moment pour se lancer dans les affaires, c'était il y a 10 ans. Mais le bon moment pour se lancer, c'est maintenant. Le jour que j'ai compris ça, je me suis lancé direct. Mais oui, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans les affaires. Et ce qui me plaît dans l'exemple, en entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas besoin de diplôme pour te lancer. Alors que pour être médecin, tu as besoin d'un diplôme. Pour être comptable, tu as besoin d'un diplôme. Pour être architecte, tu as besoin d'un diplôme. Mais pour être entrepreneur, tu n'as pas besoin d'un diplôme. Tu as la compétence, tu as le courage, tu as la détermination, tu as le courage qu'il faut. Tu te lances. Et puis, les résultats parleront d'eux-mêmes. Aussi simple que ça. Il a commencé à l'âge de 16 ans. C'est ce qu'il faut noter. Il a commencé à l'âge de 16 ans. La réussite spontanée n'existe pas. Récemment encore, je suivais les premières conférences de Claudel Nubissi. Mais c'est vrai, aujourd'hui, il remplit des salles de 500 personnes.
C'est vrai, aujourd'hui, on l'invite dans les événements business qui réunissent plus de 5000 personnes en France. Mais lui aussi, il a lu son heure quand, il y a 5 ans en arrière. Il donnait des conférences où il était seul. Il y avait 3-4 personnes qui se battaient en duel dans la salle. Mais il a fallu qu'il commence quelque part. Moi-même, j'ai tapé poteau. Mais il a fallu commencer quelque part. Mais pendant ce temps, tu vas voir des gens. J'ai dit non, je ne suis pas encore prêt. Tu ne seras jamais assez prêt. Avec le peu que tu as aujourd'hui, lance-toi. Et s'il y a un livre que je peux te recommander tout de suite, c'est Un pied à l'école, un pied dans le business. Si tu es encore étudiant. Ou alors, le livre Comment monétiser son talent. Oui, parce qu'on a tous un talent qu'on peut monétiser. Mais maintenant, comment le faire, on ne sait pas. Dans le livre d'Anastasie Kadi, te montrera comment t'y prendre. Ça, c'est un fait. Et tous ces deux livres sont disponibles sur argentlivre.com. Il te suffit de cliquer là. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais partager avec toi la troisième leçon que peut-être tu n'as pas vue en écoutant cette vidéo. C'est celle qui dit que l'argent se trouve dans les petits problèmes que rencontrent les gens. Je répète, l'argent que tu cherches se trouve dans les petits problèmes que les gens autour de toi rencontrent. Si quelqu'un aujourd'hui vient et il te dit, Valère, je veux devenir multimillionnaire, multimilliardaire, quel est le business que je vais lancer? À aucun moment tu ne lui dirais, lance une boulangerie. Aucun moment. Parce que pour toi, la boulangerie, c'est sale, c'est pas assez glamour. Parce que pour toi, tu vois juste la baguette que tu achètes à 1 euro ou à 80 centimes ou à 200 francs. Tu vois juste ça. Mais multiplie 200 par 1000, par 2000, par 3000, par 4000, par 5000, par 10 000, par 20 000, par 50 000. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Pendant ce temps, on a des gens qui sont seulement là en train d'accumuler les diplômes. Ils accumulent les diplômes. Ils accumulent les diplômes. Doctorat en machin, truc. Doctorat en virgule. Doctorat en téléphone. Doctorat en je ne sais pas quoi. Doctorat, 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 doctorat. La question c'est, quel est le problème que ton doctorat résout? Si tu résous les problèmes que les gens ont au quotidien. Si les gens ont besoin d'épingles et que tu leur fournis des épingles, tu vas devenir riche. Si les gens ont besoin de boutons. Les boutons. Est-ce que tu te rends compte que les gens sont devenus millionnaires, milliardaires grâce aux boutons? Les boutons. Si tu leur fournis des boutons, ils seront prêts à te payer. Si les gens veulent du papier, est-ce que tu te rends compte? Le papier. On a besoin de papier. Combien de personnes se lancent dans un business comme celui de la vente du papier, production du papier? Tout ça parce qu'on veut toujours être ingénieur. Ok, c'est bien d'être ingénieur, mais tu résous quel problème? Voilà un boulanger. 6000 boulangeries en Asie, multimillionnaires. À qui est-ce que tu aurais recommandé de lancer un business autour de la boulangerie? À qui? Pour que tu puisses comprendre à quel point le cerveau est constipé, je vais te faire écouter une vidéo qui m'a beaucoup marqué. Parce que pendant qu'on est là, on s'agite, on est dans le culte du diplôme, il y a des besoins très pertinents qui peuvent permettre de gagner de l'argent. Mais on dort. Écoute attentivement cette vidéo. Écoute. La peinture représente 150 milliards de peintures architecturales, bien sûr. 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars à travers la planète. C'est énorme. Énorme. Le plus gros consommateur, c'est l'Asie. Parce que l'Asie a une croissance exponentielle. Après l'Asie, ce sera l'Afrique. Mais dans l'ordre, c'est l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Ensuite vient l'Afrique. Qu'en est-il du Cameroun? 80 milliards. Écoute, de francs CFA. 80 milliards de francs CFA. Le marché de la peinture. Le Cameroun étant situé en Afrique centrale est dans une position stratégique qui lui permet d'alimenter les autres pays en peinture et en d'autres matériaux de construction. D'où ce chiffre. Les 80 milliards de francs CFA ne sont pas seulement notre consommation personnelle, mais ceux des voisins également. Parce que si vous avez eu l'occasion d'aller dans un pays comme le Tchad ou la Centrafrique, vous verrez qu'il y a beaucoup de marques de peinture originaires du Cameroun dans ces pays. Voilà. Je pense que le message est clair. Je pense que le message est... Tu as compris? Si aujourd'hui, tu as ton bac ou ton master plus 24 et on te dit, ok, tu veux lancer un business, lance-toi dans la peinture. Tout de suite, tu vas dire non. Toi, tu vois que c'est salissant. Non, c'est pas un business glamour. Ça ne donne pas de l'argent. Est-ce que tu as compris? La taille du marché de la peinture, 150 milliards de dollars, le marché de la peinture. Et au Cameroun, le marché de la peinture est à 80 milliards de francs CFA. Mais quand quelqu'un va avoir son bac, tu vas lui dire, lance-toi dans le business de la peinture,
va te dire non, 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 c'est pas pour moi ça. Tout le monde va avoir le master plus 24. Tout le monde va être ingénieur en répétition. Voilà des business qui sont là. Voilà des besoins qu'on a. On a besoin de peinture. Quand tu construis ta maison, tu as besoin de peinture. Il faut bien qu'à un moment donné, les gens fabriquent cette peinture. Et tu vas payer. Voilà un marché qui est là. Et j'ai envie de dire, on peut même aller plus loin. Parce que, en te lançant, toi, dans le business de la peinture, il y a beaucoup d'autres activités satellites qui vont naître. Il le dit dans sa vidéo, mais elle est un peu longue. Il explique que pour faire de la peinture, on a besoin de quoi? On a besoin de carbonate de calcium. De même que pour faire la craie, on a besoin de carbonate de calcium. On a besoin de résine. On a besoin des solvants et de beaucoup d'autres choses. Donc, je te doute bien que si toi, aujourd'hui, tu te lances dans le marché de la peinture, il y a beaucoup d'autres. Celui qui, j'en vois aller casser du carbonate de calcium parce qu'on en a beaucoup au Cameroun. Il y a des gens qui vont se lancer dans la fabrication de la résine. Il y en a qui vont se lancer dans la fabrication de solvants pour que tu puisses fabriquer ta peinture avec son tissu industriel qui se crée. Et c'est comme ça qu'on a enrichi une communauté. Mais ce marché-là est détenu au Cameroun par trois entreprises dont les capitaux sont étrangers. Je ne sais pas si tu captes un peu. Pendant ce temps, tout le monde va avoir le doctorat. Tout le monde va avoir le doctorat. Alors que voilà les business qui sont là. On a besoin d'excellents peintres. On a besoin de carreleurs. On a besoin de maçons. On a besoin d'électriciens. Pendant tout le temps, tout le monde veut avoir le doctorat en français. Tout le monde va avoir le doctorat en histoire. Tout le monde va avoir le doctorat en physique. Pour ensuite réciter, 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 réciter. L'argent se trouve dans les petits besoins que les gens ont au quotidien. Maintenant, il va de soi que si tu te lances dans le business de la peinture, pour avoir 6000 magasins de peinture, un peu comme le monsieur a 6000 boulangeries, c'est la quatrième leçon fondamentale à retenir de cette vidéo, c'est que tu auras forcément besoin de créer un système. Et oui, il faut réussir à créer un système parce que quand il dit qu'il a 6000 boulangeries, ça veut dire que c'est 6000 franchises, forcément. Tu auras besoin d'un système qui va te permettre de créer tes franchises. Et pour créer un système comme celui-là, tu auras besoin des personnes pour t'accompagner. Mais maintenant, si toi tu es tout le temps enfermé dans ta chambre, comment tu vas faire? Il faut aller au contact des gens. Eh oui, parce que c'est aussi ça la vérité qu'il ne le dit peut-être pas dans cette vidéo, mais il le dit que le monsieur qui a assimilé la boulangerie, il était dans un bon environnement. Il était dans un bon environnement. Quand on parle d'environnement, il parle notamment de son environnement familial. Et je suis sûr que derrière ça, son père devait avoir beaucoup de relations, bien dans sa famille, il devait être assez aisé. Mais si toi, tu n'es pas dans une famille aisée, mais il faut que tu crées, soit tu crées un bon environnement autour de toi, soit tu intègres un bon environnement. Une chose à suivre, c'est que créer le bon environnement autour de toi te prendra beaucoup plus de temps. Alors que si tu intègres un bon environnement, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Mais quand on te demande d'aller dans les événements business pour rencontrer les bonnes personnes avec qui tu pourras créer le bon environnement, tu n'y vas pas. Comment tu vas faire? Tu vois, une fois de plus, c'est le réseau. C'est les bons contacts. C'est les bonnes personnes aux bons endroits. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc voilà ma personne, une petite capsule vidéo comme ça que je voulais partager avec toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te recommander un livre. C'est le guide de l'investisseur africain et l'intelligence économique du docteur Paul Faure-Camonier. Voilà deux livres que je te recommande, deux livres business très puissants qui pourront t'aider toi tout de suite à te lancer dans les affaires et pour mieux comprendre le tissu économique mondial, je te recommande ce livre du professeur Paul Faure-Camonier. Mais pour investir, je te le recommande ce livre, le guide de l'investisseur africain, écrit par Alex Zouessa, qui sera avec nous au week-end de l'écrivain le 29 juillet à l'hôtel Hilton de Paris et le 19 août à l'hôtel Franco au Cameroun. Tu pourras le rencontrer. Et il pourra partager avec toi son expérience. Donc voilà ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Je m'appelle Valère Bilias et n'hésite pas à partager massivement cette vidéo afin qu'elle puisse édifier les gens autour de toi. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.